Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le secteur de la vallée de Grippe. Je suis actuellement dans le vallon d'Arize avec derrière moi les cabanes de Tramezaig. Et on va s'enfoncer dans le vallon d'Arize un petit peu et ensuite on va monter sur le pic de Balouk. Voilà, aujourd'hui il y a un petit peu de vent, mais il va faire une belle journée, ils annoncent des températures très douces. Et donc c'est parti pour cette nouvelle balade. Allez, à tout à l'heure. Voilà, on vient de démarrer depuis Artigues. Là, ça fait peut-être un petit quart d'heure que je marche. Voici les cabanes de Tramezaig. Un petit peu de vent aujourd'hui. Voilà, on continue de monter. Je viens de passer dans ce petit goulet là, ici. En bas, on peut apercevoir le ruisseau d'Arize qui coule. Et là, on va continuer comme ça, par ici. On a le pic du Midi au fond, sous le soleil. Allez, on continue. Voilà, le soleil apparaît derrière nous. Bonjour tout le monde.
Allez, on continue à grimper. Là on a le chemin avec qui mène au col de Saint-Cours et au pic du Midi de Bigorre. Donc qui descend ici là, hop, il va chercher le petit pont ici. Et après il faut monter sur l'autre versant. C'est le sentier des muletiers aussi, c'est le sentier qu'utilisaient les porteurs à l'époque pour construire pour la construction du pic du Midi. Et nous on va continuer par ici là, ici, jusqu'à derrière ce petit plateau. Et on va pas aller tout à fait au fond là-bas chercher la cabane d'Arise. On va monter ici là derrière pour aller chercher. Allez, à plus tard. Voilà, on continue à grimper. Je vous avoue que là ça grimpe bas bien. On était en bas là tout à l'heure, je suis monté tout droit et on va continuer par ici. Je suis pas encore arrivé, c'est pas le sommet n'est pas encore là, il est derrière, on le voit pas depuis ici. Donc je suis pas encore arrivé, une belle grimpette encore à faire. Superbe journée. Voilà, une première partie de montée, bien raide, je vous avoue. Je ne suis qu'à la moitié à peu près. Parce qu'il me reste à aller là-bas. Voilà. Faut aller encore là-bas au fond. Je vous avoue que les jambes piquent bien. Voilà, on va continuer par ici là. Devant nous on a le sommet de Penelunque ici. Et le pic de Balunque est par derrière, là on le voit pas encore je crois.
Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire, soit je prends dans le vallon ici pour monter là. Donc il faudra chausser les raquettes et après les déchausser, ou je sais pas si je suis le fil de crête dans l'herbe. Je sais pas du tout. Je pense que je vais passer dans l'herbe, ça m'évitera de chausser les raquettes et ensuite de les déchausser. Et on va se rendre dans un premier temps au sommet du pic de Penolunk. Allez, à tout à l'heure. Le sommet de Penolunk se rapproche, j'y suis pas encore. Je pense que pour aujourd'hui, je vais m'arrêter à ce sommet. J'avoue que j'ai les cuisses qui brûlent. Ah, on est monté par là. Tout droit. Allez, dernier coup de cul pour arriver au pic de Penolunk. Allez, un petit effort et on y est en haut. A de suite. Voilà, arrivé au sommet de Penolunk. Voilà le sommet, bien mérité. Parce que je vous avoue qu'au départ c'est raide, au milieu c'est pas plat et à la fin ça monte. Allez, je vais poser le sac et je vais vous faire un petit tour d'horizon. A de suite. Allez, c'est parti, je vous fais un tour d'horizon. Donc ici, on a la ville de Bagnères-de-Bigorre au fond là. On tourne un peu. Ici, c'est tout ce qui est l'Isée de Houmblanc. Tout ça là. Devant nous, le pic qui est là, c'est le pic de Balunk. Derrière, pic d'Aouet, le col d'Aouet. Celui-là, on ne le présente plus, pic du milieu de Bigorre. Ici, on va vers le col de Sancourt. Là, tout ce vallon là, on va vers le col de Sancourt. On va avancer un petit peu. En face de nous, on a tout le massif du Quatre Termes, ici. À la station de la Mongie, qui est ici. La Mongie Grand Tourmalet.
Ensuite, là, on a le Serpollet, les pics de Barasset, ici, pardon. Ici, on a le Somme de Marianette, à côté, le Penarouille. Au fond, ici, l'Arbison. En premier plan, ici, le Somme de Costoyère. Ensuite, on a le plat d'Arcaude, là. Ici, le plot d'Elnau, les crêtes de l'Aspin. Tout à fait en bas. Ici, en bas, on a Payolle. Le site de Payolle, là, qui est encore gelé. On tourne encore. Ici, c'est tout ça, là, c'est Signal de Bastia. Avec au pied le col de Beyred. En face de nous, on a les crêtes du casque du Iris et les crêtes qui donnent sur la vallée de Campan avec les cabanes d'Ordensède, le pic de la de Aboura, je crois, si je dis pas de bêtises. Devant nous, le cap de la Taoula. Et voilà, on revient sur Bagnères de Bigorre. Un beau panoramique aujourd'hui avec un temps bien dégagé. C'est magnifique. Hein. Allez, on va casser la croûte. Voilà. C'est parti pour la descente. Hein. On va descendre tout ça. Arriver déjà au premier plat ici et après hop, replonger encore pour joindre le vallon d'Arize tout en bas. Grosse descente qui nous attend. Allez, c'est parti. Voilà, la première partie de la descente pardon est effectuée. On était tout là en haut. Et il nous reste la seconde partie pour rejoindre le plateau en bas du vallon d'Arize, tout en bas là. Voilà. Voilà, continue de descendre. Seconde partie de la descente pratiquement finie. Je vais arriver au petit plateau en bas. D'ici un quart d'heure, 20 minutes, je pense que je suis au plateau en bas. Et ensuite, on va repartir par là pour aller récupérer les cabanes de Tramazaig et le véhicule. Voilà, je suis revenu sur le petit plateau d'Arize. La seconde partie de la descente est faite. Elle était tout là-haut. Et là, on va continuer par ici. Passer le petit goulet pour rejoindre les cabanes de Tramazaig. Et ensuite descendre sur la route de la Mongie là à l'endroit d'Artigues où j'ai laissé le véhicule. Une belle journée bien chaude avec un soleil magnifique. On est de retour aux cabanes de Tramazaig qui n'ont pas tardé à passer à l'ombre. Et bien voilà. C'est sur ces dernières images que l'on va se quitter.
Parce qu'après, je vais arriver au bord de la route de la Mongie et je ne vais pas pouvoir tourner cette séquence, il y aura beaucoup trop de bruit. Donc j'espère que ces images vous ont plu ainsi que la balade. Pour ma part, elle était un peu costaud, les jambes ont piqué. C'est une raide montée depuis le plateau d'Arize jusqu'au Penelunque là. C'est tout droit et ça monte bien. Mais bon, ça a été quand même une très belle journée avec une belle météo une fois de plus. On se croirait au printemps déjà. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, bye!